Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. 100 d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Sur la première mi-temps, on a fait une première mi-temps dans l'ensemble assez correcte. On a cherché à jouer, à sortir les ballons. On s'est créé des situations et qu'on a mal fini. Ouais. On ne s'est pas donné les moyens pour être plus efficace. Après sur la deuxième mi-temps, ça allait trop vite pour nous. Ouais. Quand ils ont accéléré, quand ils ont joué juste, ça allait trop vite pour nous. Mais il faut avoir les capacités de le faire. Hein. Milan, on leur en fait hier. Il faut avoir des joueurs athlétiques avec des courses. C'est pas le même joueur qu'on a, nous. Bah, Nice, c'est une équipe aujourd'hui, s'ils sont premiers au classement, c'est que c'est une bonne équipe. Voilà. Et ils ont des leaders très très forts, même s'il a 40 ans, il est très très fort. Il dirige bien son axe avec Todibo. Voilà, et puis devant eux, ils avaient le joueur qui a été expulsé. Il sera pas là contre nous, mais ils ont d'autres joueurs sur le banc qui peuvent le remplacer. Non, c'est une équipe très athlétique, très bonne techniquement, avec des joueurs de rupture devant aussi. Ouais, ils sont armés pour jouer le haut du tableau. Je ne sais pas s'ils joueront le titre, mais ils peuvent prétendre jouer le titre, oui. Aujourd'hui, ils sont premiers, après 11 journées. Ils sont allés gagner à Paris, voilà. À Monaco, le derby. Voilà. C'est une grosse équipe. Mais on va pas jouer le match pour les regarder. Hein. J'espère pas. J'espère qu'on va jouer pour les bouger. Ce que j'attends de l'équipe, c'est ça. C'est qu'on fasse un vrai match et qu'on soit dedans, devant notre public. On n'est pas là pour les regarder jouer. Il va falloir qu'on les bouscule, qu'on soit bon avec le ballon, qu'on soit bon sans ballon. Il va falloir que dans tous les registres, on élève notre niveau et qu'on soit en capacité de tenir un peu plus longtemps que ce qu'on a tenu à Paris. Ouais. T'as toujours envie d'avoir les mêmes joueurs si les mecs sont en pleine forme. Après c'est comme ça, c'est toutes les équipes, hein, y a des blessés partout et on fait avec. On est tout le temps en train de quand il y a des blessés, de chercher d'autres formules. Voilà. C'est comme ça, il y a des joueurs qui sont un peu plus fragiles, qui se blessent. Obligé de faire avec. C'est bien qu'ils aient remis le nez dans l'équipe et qu'ils soient performants. Après, ce qu'on attend d'eux, c'est que j'attends de tout le monde. C'est toujours la confirmation, hein, tous les week-ends, il faut être bon. Le football, c'est pas faire un bon match ou deux beaux matchs et disparaître après. Non, c'est une continuité. Si on veut avoir une équipe forte, il faut que tout le monde... Que ce soit mes cadres, que ce soit mes jeunes, que ce soit les plus anciens, il faut que tout le monde soit bon. Et on est une équipe, on n'est pas un joueur, deux joueurs. Quand on n'a que deux joueurs qui sont bons, généralement, l'équipe n'est pas bonne. Estève et Fayad. Ouais. Ils ont des capacités pour... S'ils ont signé pro, c'est que le club croyait en eux et qu'ils avaient misé sur eux. Mais sûr qu'on a confiance en eux. Sinon, ils ne joueraient pas. Moi, je pense qu'il a...
Voilà, il ne se pose pas de questions. On lui dit de jouer là. Et bien, il essaie de, même si c'est pas sa qualité première de vitesse, de, comme peut avoir Arnaud et Moussa, mais il essaie de faire au mieux possible et avec ses qualités à lui. Ouais, il est capable d'éliminer, il est capable de dribbler et il est capable d'accélérer aussi, mais pas aussi vite qu'eux. On l'a vu à Paris, hein, il met le ballon qu'il met à TJ, il le met au bon endroit, bon, comme il faut. C'est ce qu'on attend de lui, hein, de marquer, d'être au bon endroit pour marquer les buts comme il a marqué contre Toulouse. Hein, c'est ce qu'on attend de lui, avec des qualités autres que Moussa et Arnaud. Ah, il s'investit dans le travail, mais on le voit, on voit le match. Les matchs de haut niveau, c'est ça. Hier, par Paris, c'était du 1 contre 1, Milan. Hein. Les mecs, ils suivaient leurs mecs. Si tu le fais pas, ben, tu gagnes pas les matchs. Si tu n'as pas envie de courir, quand tu n'as pas le ballon, il faut courir quand tu as le ballon, il faut courir quand tu n'as pas le ballon. Et quand tu cours pas, ben, tu gagnes pas. Si tu mets pas l'intensité qu'il faut, si tu mets pas la vitesse, la vérité dans ce que tu dois faire, mais tu peux pas marquer des buts, c'est pas possible. Et tu peux pas empêcher l'équipe adverse de marquer des buts. Si tu n'as pas l'agressivité, si tu n'as pas. C'est ce qu'on attend d'une équipe. Hein. Et Nice aujourd'hui, leur coach il a bien dit. Hein. Quand ils n'ont pas le ballon, ben, ils ont le bleu de chauffe. Hein. Non, je ne veux pas parler de TJ aujourd'hui. Il y a des. C'est pas que TJ, il y a d'autres joueurs aussi. Je ne vais pas me focaliser sur TJ. Il y a d'autres joueurs aussi. TJ doit faire mieux, il en est conscient. Et d'autres joueurs doivent faire mieux aussi. C'est comme ça. Il faut que tout le monde soit bon, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il faut que tout le monde. Il y en a certains, et au bout d'une heure, quand ils sont cuits, il y en a d'autres qui les remplacent. Dans toutes les équipes, c'est comme ça. Avec Gaëtan Laborde, pourquoi c'est un calvaire? Non, on est content de rejouer avec lui, contre lui. Après, pendant tout le match, j'espère qu'on ne va pas lui faire de cadeau, on va quand même le bousculer. Voilà. Ça qui va être à la lutte avec lui, il va falloir le bousculer, comme il va falloir bousculer Mofi, comme il va falloir bousculer Boca de l'autre côté. Il va falloir bousculer tout le monde. Ben, c'est un garçon qui travaille, qui travaille bien et qui a envie de progresser. Il se donne les moyens de voir vers le plus haut niveau. Oui, il a même s'il a souffert par un moment, mais il a quand même trouvé les bonnes distances pour intervenir, pour récupérer des ballons. Même dans les airs, il a sauvé un but sur un corner aussi, sur une déviation au premier poteau. Il est bien intervenu au deuxième poteau. Non, il a bien, dans l'ensemble, il a bien défendu. Après, je pense qu'il peut, voilà, il peut toujours, comme tout joueur, il peut faire mieux encore. Voilà, il faut que ça lui donne de la confiance et qu'il se lâche encore plus et qu'il soit encore meilleur, ouais. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement aussi. Il a la capacité de nous amener aussi des centres quand il attaque. Ben, c'est les joueurs qui vont le remplacer, qu'ils soient beaux, qu'ils soient, quand c'est défenseur axial, Todibo et Dante, c'est pas des agneaux. Hein. Pas des agneaux. Voilà. Ils sont à l'atomie du ballon, ils sont agressifs, ils te bousculent avec les bras. Il faut être un petit défenseur, tu peux. Il faut être au combat, ouais. Ben, j'espère qu'on va réussir eux, j'espère qu'on va réussir à les faire chuter, nous les premiers. Voilà. Ils n'ont pas perdu depuis le début de saison. Ben, À nous de faire le match qu'il faut dans tous les domaines pour être efficace devant le but
et efficace dans nos 16 mètres pour empêcher de prendre de but. L'objectif, il va être là, ouais. Il faut qu'on les fasse trébucher. Très, très.